Ah oui, là maintenant, on ne cherche plus. En ce qui concerne le KVS, c'est la victoire d'étape. Maintenant, pour le général, ça va être compliqué. L'avantage est intéressant quand même pour Garnier et Nubul. Ils savent qu'ils reviennent au général. Ils savent qu'ils remontent. Il y en a un qui remontera sur la troisième manche du podium. Un autre qui reviendra quatrième. Donc, à mon avis, s'ils ont l'air de la force encore pour le spectacle, ils vont essayer d'attaquer. Mais ils ne pourront pas se poser un écart pour revenir sur la première place du podium. Mais attendons, tant que la ligne finale n'est pas franchie. Mais il y avait quand même 15 coureurs, je suppose que c'est pas possible, c'est pas la victoire d'étape. Qui a derrière? Ouais, c'est ça, donc je pense que derrière, la réaction qui pourrait s'en dire, c'est vrai que ce serait pour la victoire dans l'étape. Mais là, pour l'instant, écoutez, il est parti pour le bon coup, la violette. Il est parti, il a fait le trou. On va donner la top tout à l'heure, au sommet, mais en tout cas, il a croisé les corps. Qui en serait ravi, c'est le président du comité cycliste de Poitou qu'on a entendu tout à l'heure.
Alors, il est où donc? Alors voilà, le voilà, Loïc, la violette, on est
il va le faire, hein, donc je vais la remontante. Le dernier kilomètre de l'étape du jour avec Cicantille. Cicantille, solution de jardinerie en Martinique. Chérie Toutou, appel 77-0807, c'est le libéro de Cicantille. Quoi? C'est le libéro de Cicantille. Ils ont toutes les modèles pièces détachées. Attention, attention sur la débroussaillée, Mitsubishi de 48 cm cubes, fabriqué au Japon. Il a eu cette explosivité qui lui a permis de faire une attaque de nuit.
Nouvelle attaque de Nubu, c'est un pic à commettre. Qui en charge pour le maillot jaune apparemment. Mais là c'est Nubu, hein. Il a fait le trou un peu sur un cas qui réagit derrière. Ça a du mal à rentrer, mais Nubu maintient son effort. Il maintient son effort. Et c'est revenu, jonction à nouveau. Ouais, bon, on doit connaître un après-midi de départ raté, de faux départ, de vrai retour et de ma foi, des situations bizarres qui changent tout le temps. Néanmoins, désolé, Nubu, je pensais en fait le cours qui était intercalé, qui a été repris, mais Nubu a persévéré, il a gardé 200 mètres d'avance sur le cours. Avec vous, Guillaume. On est en bas, on va le trouver. Comment vous le Ça c'est
ça c'est pas yole, ça s'appelle ça. Ça, c'est, ça. D'accord.